pendant toute votre carrière, quel est le peuple qui vous a beaucoup influencé, que vous avez beaucoup admiré? Le peuple égyptien. Parce que j'ai trouvé beaucoup de qualités parmi les Égyptiens. Bien sûr, c'est une opinion où vous dites que n'est pas juste, non, parce que je vois beaucoup de qualités parmi les Égyptiens. Je suis fier d'être égyptien. Et quel est le grand défaut des Égyptiens? Le grand défaut, c'est la polémique. La polémique. Si les gens cessent un peu la tendance à disputer sur des points, bien sûr, il y a une différence entre. Il n'y a pas une unité de pensée parmi les êtres humains. Mais il ne faut pas attacher beaucoup d'importance à essayer de disputer les uns les autres parmi les réunions. Parmi les réunions. Et parmi les médias aussi. Parmi les médias, y compris les médias, il faut changer un peu d'habitude de disputer pour ne rien faire. Et il faut concentrer plus sur le point positif, beaucoup plus que le point négatif. Parce que dans la vie quotidienne, il y a les autres, les deux, les uns et les autres. Il y a des points faibles, il y a des points forts. Il faut se concentrer plus sur le point fort. Chacun a des qualités, une bonne qualité, une mauvaise qualité. Alors, on doit concentrer plus sur les bonnes qualités. Mmh. Et comment vous voyez l'Égypte aujourd'hui après deux révolutions? Je suis heureux qu'il y avait deux révolutions en Égypte. Une révolution, la première, le 25 janvier 2011, c'était pour un changement, parce que après longtemps, il n'y avait pas assez de progrès dans la vie économique et sociale. Alors, il y avait bien temps que une révolution ait lieu pour un changement pour le meilleur. Malheureusement, il y avait beaucoup d'espoir au début que cette révolution allait améliorer la vie quotidienne des Égyptiennes, des Égyptiens. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Il y avait aussi des bagarres pour ne rien faire. Une tendance à détruire, une tendance à la violence qui malheureusement était mal exploitée par des gens de mauvaise foi qui allaient pousser le pays à une catastrophe. Alors le résultat, c'était malheureusement les élections de 2012 qui avaient abouti à la domination des frères musulmans. Et l'expérience était fâcheuse parce que ça allait conduire l'Égypte à une catastrophe. Heureusement, la révolution du 30 juin avait changé le cours des affaires. Ensuite,
tant mieux que nous avions eu cette expérience fâcheuse pour qu'on se rende compte que nous étions dans la mauvaise foi et pour corriger la voie vers l'espoir d'une vie meilleure. Il y avait la feuille de route de 3 juillet 2013. Ça a pris longtemps, malheureusement ça a pris longtemps. J'ai pensé au début que ça aurait pu être plus court. Mais heureusement que nous avons fini avec les 3 étapes. Premièrement, la préparation d'une constitution qui était votée dans un référendum avec une majorité confortable. Et ensuite, les élections présidentielles où il y avait 2 candidats, le maréchal Sisi Hamdin Sabahi. 2 candidats, j'étais très heureux qu'il y avait seulement 2 candidats. Et le président Sisi l'a fait facilement avec une majorité écrasante. Ensuite, les élections législatives, dernièrement achevées, la 3e étape. L'année dernière, 2015, et maintenant nous avons un parlement, une assemblée des représentants. Je suis très heureux que nous sommes arrivés à ce stade-là avec toutes les établissements étatiques là. Il y a l'exécutif, le législatif. Et il y a aussi la 3e autorité judiciaire. Espérons pour le mieux, Inch'Allah, nous allons voir notre pays parmi les pays prospères, avec la fin de pauvreté, de misère, avec une démocratie, respect des droits de l'homme, une stabilité pour les nouvelles générations de notre chère Égypte. Inch'Allah. Et comment vous voyez le dossier de la diplomatie égypto-africaine? La diplomatie égypto-africaine est dans la bonne voie. Dans la bonne voie, l'Égypte n'avait pas disparu de l'Afrique. Je suis l'évolution des relations entre l'Égypte et les pays africains, ça fait longtemps. Et j'ai vu que l'Égypte était toujours conscient des problèmes en Afrique. L'Égypte était toujours pour aider les peuples africains qui veillaient à avoir de leur indépendance. Les organisations de libération dans toute l'Afrique avaient bénéficié de l'assistance égyptienne. C'est une solidarité qui est né dans la personnalité égyptienne d'aider les autres. Nous avons aidé bien sûr les pays arabes. Vraiment, il y a une solidarité entre les pays arabes. Malheureusement, nous vivons ces années des difficultés dans d'autres pays arabes, par exemple la misère qui est arrivée à l'Irak, ensuite la Libye, la Syrie et le Yémen. Malheureusement,
Je sois, je, personnellement, je suis convaincu qu'il y a des droits étrangers qui jouaient dedans. Parce que c'est contre la nature des peuples arabes que de se laisser être joués dans les mains des étrangers, des puissances étrangères. Je pense toujours au rêve de l'unité arabe. L'unité arabe, ça ne devait pas dire absolument qu'on doit être un seul pays. Mais l'unité arabe, unité des pensées, unité des objectifs, unité des espoirs et de l'avenir, de l'euphorie entre tous les pays arabes pour le bénéfice de tous les pays arabes et surtout pour la Oumma arabe, comme on dit. Est-ce qu'on verra un jour une réunion des pays arabes à l'instar de l'Union européenne ou l'Union africaine? Il y avait une union idéale que j'ai vécu personnellement en 1958 entre l'Égypte et la Syrie, la République arabe unie. Malheureusement, ça n'a pas continué. Il y avait la rupture en 1961, malheureusement. Je crois que, puisqu'il y avait aussi une puissance étrangère qui ne voulait pas achever cet espoir, le rêve de l'unité arabe, malheureusement, c'est arrivé. Mais la nécessité de coexistence entre les pays arabes, la coexistence et la coopération entre les pays africains. Entre pays africains, moi, j'étais convoyé spécial du président pour résoudre les différends entre pays africains pendant les années 1989-1990. J'ai visité beaucoup de pays africains, y compris l'Éthiopie, la Somalie, Djibouti, le Tchad, la Libye, le Sénégal et la Mauritanie. Il y avait beaucoup de points en commun entre ces pays qu'il ne faut pas se laisser jouer dans les mains étrangères pour intervenir dans nos affaires intérieures. C'est ça qui avait créé des problèmes entre les pays africains indépendants. Est-ce que la voie diplomatique est suffisante ou bien il faut aussi aborder d'autres voies comme la voie culturelle, par exemple? La voie culturelle est une nécessité. Et c'est une nécessité. L'Égypte n'a pas cessé d'entamer cette voie. Elle continue. La voie de coopération technique, la coopération économique, il y a la solidarité entre pays arabes, d'une part, la solidarité entre pays arabes et pays africains. Il y avait deux conférences au niveau du sommet entre pays arabes et pays africains. La première fois, c'était 1977. Sous le président Sadat, et ça fait deux ans, il y avait une conférence au sommet entre l'Union africaine et la Ligue arabe, un sommet arabo-africain. Alors, il faut veiller toujours à appliquer la solidarité et la coopération entre tous ces pays pour le bien-être des Africains et des Arabes.
Je sais que vous aimez lire. Quel est le genre de livre que vous préférez et quels sont vos auteurs préférés et en quelle langue? La langue arabe, vraiment, c'est ma langue maternelle. J'ai lu beaucoup pour des écrivains égyptiens. Anciens ou contemporains? Les deux. Le deux. Mohamed Hussein Haeckel, Aqad, Taha Hussein. Le livre qui m'a beaucoup touché, c'est Al-Fitna Al-Kubra, Taha Hussein. Al-Fitna Al-Kubra, c'est la source de malheur qui est arrivée après. Et la différence entre le sunni et le chiite. C'est ça, si vous lisez ce livre, et ce n'est pas un grand livre, c'est petit, Fitna al-Kubra. Et ce sont les leçons et les conférences données par Taha Hussein, qui, pendant cette période-là, était professeur à l'université du Caire, faculté des lettres. Il a été boudé, je crois, il a été boudé par la vie culturelle en ce temps-là à cause de ce livre. Non, mais je crois que ce sont des leçons à apprendre. Si vous ne lisez pas les sources, alors vous vous laissez influencé par des histoires des uns et des autres. Mais ça, c'est parmi les livres qui m'ont beaucoup touché, ce livre-là. Mais j'ai lu aussi des livres des écrivains, des économistes, les affaires économiques, puisque moi, j'ai fait mes études supérieures en économie. Et les organisations économiques internationales, alors ils sont des livres qui m'intéressent beaucoup. Et j'ai suivi toujours les développements dans la vie mondiale en ce qui concerne l'économie. Votre fils, c'est notre ambassadeur auprès du Canada, son Excellence Mohtaza Zahran. Comment il est influencé par vous et par votre carrière? Mon fils me suivait pendant qu'il était enfant. Il me suivait dans plusieurs pays, à Washington, à New York. Il était avec moi à Bruxelles. Et au Maroc. Alors, il a, bien sûr, il a vu qu'est-ce que je faisais. Il était attiré par ce travail. Et j'aimerais vous dire que mon fils était aussi, il était avocat. Il a suivi la même ligne. Mais est-ce qu'il avait en tête le parcours diplomatique ou pas? Au début, il était à la faculté d'engineering. Mm-hmm. Il voulait être ingénieur. Il voulait complètement être architecte. Il était à l'université d'Alexandrie, à la faculté d'engineering, Kulit al-Hamdasa. Mais ensuite, il a fait le droit. Il a eu sa licence en droit de la faculté de Mohamed Al-Khamis au Maroc, quand j'étais ambassadeur là-bas. Et pourquoi il a changé de carrière et d'études? Il était plus intéressé à l'étude de droit. Et ensuite, il a exercé le métier d'avocat. Je l'ai encouragé à le faire.
Mais ensuite, il m'a dit non, je vais essayer d'entrer dans le concours pour avoir accès à la diplomatie. Il m'a dit si.